Mes viewers, bonjour et bienvenue pour les sur l'aventure sur Mountain Bay Bonheur Lord. Avec un bon accent comme il va bien. Alors, l'elfe terroir nous a quitté. Bien, donc aujourd'hui on va recruter, évidemment. Oh, encore... Non, je vais monter à 15 quand même. J'allais dire, tu sais, pas recruter tout. Mais si, on va monter à 120. Alors ici, on va acheter des chevaux qui sont... recruter, recruter, oui, recrute. Alors, commerce, production, il faut que je trouve une dernière industrie, enfin une nouvelle industrie à faire. Mouton, lin, cheval des steppes. Bref. A priori, ce qu'il faut faire dans le camp, c'est de la bouffe, hein, surtout. L'argile, tiens, l'argile. J'ai... Ah, attends, je vais mettre des patates dans ma souris, hein, ça ira mieux. Allez, en mode double clic, ça m'arrive de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Alors, cheval d'estep, mouton et vache. Mouton, vache, cheval d'estep, du beurre peut-être? Oh, les céréales, ils coûtent tellement 22, 20, 22 le céréales. Les céréales, ça s'achète 6, quoi. Ce serait parfait, c'est qu'on puisse changer la production des villages, en fait. Ça, ce serait cool. Mais non, je m'en fous de ton armée, j'étais en train de courir après des brigands. L'autre en plus il est en train de... Non mais... En plus il a convoqué une armée qu'on n'est pas en guerre quoi. Le prix ne m'intéresse pas, je me casse. Voilà, faut que j'attende que le roi déclare la guerre à quelqu'un. Enfin, le Khan. Bon Dieu, double clic quand même. Ah putain!
Oh mon Dieu, c'est terrible. Mais je sais pas, j'ai pas. Ça se trouve, il y a une option sur la souris. Il y a 50 boutons, je comprends rien. Ok. On va attendre un petit peu, histoire de construire un petit peu. Ok. Okay, bon bah écoutez c'est parti, donc on va pouvoir se barrer. Je préfère toujours rester un petit peu pour être sûr que la file d'attente se met en route. J'ai l'impression que des fois il y a des bugs. Allez, viens là toi. Bon là les combats, tant qu'il n'y aura pas de guerre, ils vont pas être folichons. Hein. Dommage. Oh, non mais t'as pas tiré tire au ras du sol plein de Oh, je vais pas en avoir mis. Ouais, je n'en aurais pas mis une seule. Putain, j'ai cru que c'était moi avec le chapeau bizarre. J'ai dit merde. À quel moment je me suis affublé d'un chapeau pareil? Allez, objectif, on met au moins une flèche dans la tête d'un gars. Bon, dans le corps. Voilà. Juste on met une flèche, quoi. J'ai mis 130 points de dégâts avec une flèche. Ok. Ça me fait un petit peu beaucoup quand même. Un jeu, voilà. Soyons honnêtes. Bon, au niveau du loot, c'est quand même pas ça, ouais. Notre relation augmente de 1 avec Baguet de la fabrique de tissage de jour, la fameuse, bien sûr, la fameuse. Mon armée, elle va bien ou pas, Mathieu, ma deuxième là. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ouais. Lui, je crois qu'il sert à rien. Je sais pas qui c'est ce mec-là. Allez, vas-y, va chercher le bonheur, gros. Je suis désolé, hein, niveau bagarre, j'ai pas grand-chose à vous proposer là. Wow. J'essaie de réfléchir à un truc marrant à faire, mais.
Amitatis est en train d'être défendu. D'accord, c'est bien, c'est bien. Il me tient au courant de faits très intéressants, bien sûr, dont je me fous totalement. Hein. Il faut bien le dire. Je suis le seul mec du monde qui sort son arc en combat au corps à corps, je pense. Merde. Ok. Tout ça c'est du classique, hein, c'est du butin, c'est du comment on pourrait ça, du bric-à-brac. Kada, le groupe de Kada. Pourquoi est-ce que le groupe de Kada est en vert? Que eux, ils sont pas. En... Ah oui, d'accord. Okay. Ils ont la même couleur que nous, mais en fait, c'est pas. Ils font pas partie du royaume. Eh bien, ouais, vas-y. Un tournoi à la lance, hein, le truc que tout le monde adore. Essayer de récupérer son arc à lui. Ah bah oui, mais là, il va pas. Il va pas me donner son arc, là, du coup. Mais je suis plus à l'aise avec l'épée, donc... Moi, je suis mieux équipé à la fin d'un tour d'un combat qu'au début, tu sais. Ouais, voilà, ça m'étonnait de le rater quand même. On gueule pas comme ça, Robert. Oh, joli. Oh, rejoli. Après, il m'a mis deux coups de lance dans la tête à 40, toi. 40 et 43.
Ça, c'était beau, ça. Ouais. Non, en vrai. Oh, ça aussi, c'était beau. Et niquez-vous. Très bien, je suis donc qualifié. Même si je tombe là, on s'en fout. Ah, joli. J'ai raté. J'ai essayé de tuer le cheval, mais... Oui, bah, j'ai raté. Ça arrive, c'est bon. T'énerve pas. Merde. Faut pas laisser respirer. Et le dernier, c'est contre un nomade Kurakazaït. Là, bon, ça devrait le faire, je pense. Ou pas. Allez, viens là. Je vais taper dans la jambe, c'est ça? Ouais. Je pensais toucher le cheval et j'ai eu du bol, j'ai tapé la jambe du gars. Il est mort d'une hémorragie interne de l'artère fémorale. C'est une chose qui arrive, je pense. Alors, niveau commerce, eh bien, niveau commerce, on va dégager la merde. Oui, non mais vas-y de toute façon. Je pense vraiment pas je pense vraiment pas crafter. Par contre, est-ce que ce serait pas... Il y a bien un patelin où tu vas me vendre une putain d'arc, là que j'y pense. Je dis ça comme si ça faisait 50 ans que je le cherchais. En fait, non, je commence seulement à y penser. Il y a un arc de chasse à acheter à 30K. 30K brousouf. Ok, très 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 bien. Ça c'est cool. Ashan a gagné le tournoi de Kazira. C'est bien, je ne sais pas où est Kazira, je ne sais pas qui est Ashan. Donc c'est vraiment cool comme information. Mais merde, double clic. Oh non! Alors, commerce. Voilà. Mais la moitié de ma thune. Juste dans un arc. Normalement, avec ça, je peux. C'est ce qui paraît, hein. Mais normalement, je peux casser les murailles. J'ai plus besoin de balistes ou de trébuchets. J'ai mon arc.
Ok, donc là, on va. Point de compétence en tactique. D'accord, ok. D'accord, donc 6 jours pour les murs T2, c'est très bien. Et j'ai pas vu. Ouais, plus 5 de nourriture, super. Super, super, super. Bah voilà, mais on est bien parti là. Il manque juste un petit peu de guerre de temps en temps, mais sinon, tout y va bien. On va faire un petit F6, hein. Ouais. C'est Soldiers in Charge. On pourrait traduire ça par des merdes de vous. Général, quels sont les ordres? Des merdes de vous. Bien, bah écoutez, ça c'est un bon arc. C'est un bon arc. Bon, et sur ce, les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Vivement qu'il y ait des guerres, comme ça ce sera plus mouvementé. Des bisous, à demain. Ciao.